Vous regardez RTL. L'histoire du jeudi, c'est avec vous Thomas Proto, bonjour. Bonjour. Un jour sur la Terre nous conduit à Marolles-en-Brie dans le Val-de-Marne où Brutus a retrouvé sa niche, mais 10 ans après sa disparition. Oui, le petit York brun a pris un coup de vieux, il n'a plus beaucoup de dents, mais ses propriétaires l'ont formellement reconnu dans le refuge de la SPA de Ménois, dans l'Aube. Le couple de Marolles-en-Brie avait pourtant totalement perdu espoir de revoir leur petit compagnon. Depuis ce jour terrible de 2008, Brutus, âgé alors d'à peine 18 mois, est laissé quelques instants seul dans le jardin. Quand sa maîtresse revient, le York a disparu sans laisser d'adresse, volé, c'est sa conviction. Alors quand ils ont reçu cette semaine la lettre de l'ICAD, la base de données des chiens marqués d'une puce, les deux Val-de-Marnais n'ont pas percuté immédiatement. Ils ont d'abord cru à une publicité pour un promoteur immobilier à cause de la sonorité ICAD. Mais en ouvrant l'enveloppe, la nouvelle était bien là. Brutus les attendait dans un refuge. Au premier regard, ils ont reconnu leur petit York. La responsable de la SPA les a prévenus. Le chien a vécu des heures difficiles. Il a été retrouvé couché au bord d'une route, croûte sur le dos, griffes trop longues. Qu'importe, Brutus a été accueilli comme au premier jour. Il coule désormais une retraite paisible chez ses heureux propriétaires. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Récit RTL de Thomas Proutot, un jour sur la Terre, à réécouter sur rtl.fr.